Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Planet Zoo. Alors au moment où je tourne cet épisode, un nouveau DLC vient d'arriver. Et c'est un DLC sur le thème de l'Afrique. Donc du coup, je pense qu'on va attendre un petit peu avant de terminer cette zone-là, voir les zones par ici. Parce que il y a, je sais plus, 4 ou 5 nouveaux animaux qui arrivent. Et du coup, ça va un petit peu chambouler mes plans. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, du coup, on va attendre un petit peu avant de faire cette zone et on va s'attaquer à la zone que j'avais prévu de faire ici, où j'ai un petit peu commencé. Du coup, je dis beaucoup. Du coup. Donc la zone ici qui sera sur le thème classique et qui va être avec des animaux de l'Europe. Donc là j'avais commencé un petit peu à... J'avais récupéré un bâtiment pour faire le... Alors à la base c'était un bâtiment pour le monorail je crois. Donc qui est vachement plus petit pour mon... Enfin qui est vachement plus petit que le téléphérique. Donc on va essayer de modifier ce bâtiment pour... pour qu'il aille bien avec avec celui-ci, avec mon téléphérique, voilà. Donc dessous, il y avait des toilettes ici. Il y a pas mal de petites choses. Donc là, j'avais déjà fait l'escalier ici et l'entrée. Donc il va falloir relier la sortie. Donc là, ce bâtiment était beaucoup plus étroit. Donc du coup, je l'ai élargi. Je me rappelle même plus à quoi il ressemblait d'ailleurs le toit. Je me souviens que... Parce que là pour vous dire en fait ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Et du coup je me rappelle plus trop ce que j'étais en train de faire. Enfin ce que j'avais en tête en faisant ce truc-là. Comment je voulais amener les choses. Du coup, il va falloir que je reprenne. Que je reprenne ça et voilà et que je trouve les idées de pour ce bâtiment donc ce qui serait pas mal qu'est-ce qu'on a comme non, construction donc là du coup ça fait deux DLC hein, maintenant que je n'ai pas encore. Il va falloir que je récupère donc un sur l'Asie du Sud-Est, mais ça a priori pour le moment j'en ai pas besoin, mais un sur l'Afrique qui est là que j'aimerais vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de décorations style égyptien, donc ce sera pas mal intéressant quand on fera notre pyramide. Du coup, je pense que c'est ce DLC que je prendrai assez rapidement en premier. Donc là. Favori, je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'était le thème classique. Et on va enlever les plans. Voilà, je voulais voir un peu ce qu'il y avait comme toit déjà. Comme toit incliné. Voilà, les toits un peu en cuivre comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ou même en verre, pourquoi pas, là, une petite verrière là. Ce serait pas mal une petite verrière là au-dessus. Si je me mets dans celui-ci, que je chope. Petite verrière arrondie comme ça. Serait pas mal ça, non? Il n'y a pas des... C'est obligé des angles? Il n'y a pas les trucs plats? Ah, comme ça. Voilà, il faut que je retrouve les... C'est pas mal ça, non? Ça peut être pas mal pour le dessus. Et après, on monte droit. Ah non, bah pas du tout comme ça, du coup. Hop, là, faudra fermer ici. Clac, et du coup avec un angle ici, hop, un angle là,
Ah non, ça va pas être terrible ça. Oh si, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, on va le remplacer plutôt par un truc plein, si possible. Alors ça c'est quoi comme mur? Mur de délimitation de station en calcaire. Alors on va prendre ça, on va faire mur calcaire. Ah, ça marche pas. Calcaire. Oh, il y a plein de choses en calcaire. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait la mise à jour. Il faudra que je la fasse. Hop. Ça va, je me rappelle des raccourcis. Ok, donc là, effectivement, comme ça. Comme ça. Est-ce que là, ce truc-là, je peux le dupliquer ici, ici, ouais. Ok, ça passe, ça donc. Très bien. Donc là, c'est pas mal. Faudra voir après comment on peut raccorder ça là-bas, mais ça, on verra plus tard. Là, il va falloir que je mette un petit muret, comme ça. Jusqu'à quel point je peux monter. Et voilà, je. Et oui, là c'est le problème de ici, hein. Comme toujours. Là je peux, mais pas là. Très bizarre. Très bizarre. Là je peux, mais pas là. Ah ouais, d'accord, ok, c'était ça, ça y est. Je me souviens. Donc là, ça c'est bon en termes de hauteur ou pas? Non. On va prendre celui-ci. Ah, faut pas que je le mette là, faut que je le mette ici. Paf. Paf. Ça fait un peu dégueu, mais bon, ça passe. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de construction, du coup, hein. Hop. Là, il y a un pilier qu'il n'y a pas ici. On pourrait le dupliquer, ce pilier-là. Tac, tac, tac. Ah, c'est pas le même bâtiment, sérieux. Faut faire des plafonds. Ce n'est pas le même bâtiment. Quitter le groupe. Non, c'est pas ça. Ok, là, je suis dans un autre bâtiment. Alors, séparer la section du groupe. Voilà. Là, je prends ça, je prends ça. Ah non, faut que je fasse I, tac, tac, je fais fusionner, voilà. Ok, et là je fais CTRL D, non, CTRL X. Ok. C'est quoi ça? Oh là là, bon, c'est pas grave, CTRL D. Ça l'a dupliqué quand même, non. Merde. Alors, on recommence. CTRL D. Voilà. Là, on va se mettre à la même hauteur. On va se mettre ici. Ok. Donc par là. Quelque chose comme ça. Ouais. Pas tant, peut-être. Comme ça, voilà, ouais, ok, on est bien. Et là, en termes de d'écart, ouais, j'étais par là à peu près, c'est pas mal. Ok, donc là, on va récupérer ça, ça et ça, pouf, qu'on va mettre un. Hein, pourquoi je ne peux pas le mettre en face de lui? Voilà. Comme ça, bon, on a un petit bug ici. C'est pas trop grave. Ça se verra pas trop. Ça ne se verra pas trop. Ok, là,
On récupère ça. Ah mais non là. Pourquoi j'avais mis ça là d'ailleurs? Ils n'ont pas besoin là. De l'autre côté, on aura la même chose. Et oui. Hop. Voilà, comme ça. Non. Évidemment, là, je ne peux pas. Et oui, parce que là, je vais être trop. Être légèrement trop par là. Alors attendez, hop, ça on va supprimer, ça on va supprimer. Il faut que je quitte le groupe. Non. Non, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je reprenne ça. Voilà, contrôle D. Je mets mon premier ici. Hop, là, je fais. Allez. Oui. Voilà, là je fais séparer du groupe, donc là j'ai plus que ça maintenant, je fais un petit X, non, X, voilà, et là je l'écarte légèrement, voilà, ah, faut pas trop parce qu'il faudrait pas que ça se voit, ah mais ça va se voir, ok, et maintenant si je fais CTRL D, CTRL X, voilà, bon, elle essaiera très bien. Par contre, pourquoi je suis pas. Pourquoi il a pas de grille ce truc? Ok, bon. C'est pas grave, sinon on va faire. On va aussi le mettre au même niveau quand même, ce serait bien. Ce serait bien de l'avoir au même niveau, qu'on n'ait pas cette espèce d'impression bizarre que c'est décalé. Ok, et là ce qu'on va faire, c'est que ici pour pas qu'il y ait ce trou, on va se remettre là-dedans. Et on va en mettre un juste derrière. Paf. Et paf. Et là normalement j'ai plus de trou. Voilà. Voilà. Et là, on voit rien. On n'y voit que du feu. Très bien. Alors maintenant, il va falloir designer aussi ce truc dessous, là. Ça. Hop. 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 Donc là, ça va être fermé, ça. Je vais prendre ça, ça. Pouf. Hop là. Tac. Là on va prendre. Oh là, il y a plein de trucs dans cette rambarde là. Ah, attendez. Waouh, c'est pas. Alors, est-ce que ça c'est dans le même objet? Non. Voilà. Allez, on y va. Pouf, pouf, pouf. Hop là. Ensuite là on récupère ça. CTRL X. Paf. Paf. Ouh. Alors là, il faut que je fasse un hop. C'est pas ça que je voulais faire. CTRL X. Ah! Je me perds dans mes raccourcis ce soir. C'est un petit moment que j'avais pas touché au jeu aussi. Hein. Clac. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ok, donc là on va prendre ça maintenant. Quitter. Il y a ça aussi là.
Ça l'a posé, hein, rassurant, oui. Et ce truc là. Ok, donc ça je dois y arriver. Paf, et là. Tac, tac, on fait pareil. Hop, ça on l'amène au... on l'amène où on veut en fait. Hop là. Voilà. Ensuite on récupère ce truc là, le bout de mur là. Tac, et on referme ici. Et on va mettre un peu de lierre de partout. Alors là par contre on va se mettre aligné sur la surface. Ah oui. Il y en a plusieurs d'ailleurs comme ça, non? Si je prends celui-là. Ouais, c'est des petits lierres ça. Contrôle D. Hop. Hop là, essayer de faire un truc un peu sympathique. Tchac. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse le au-dessus là. C'est là que ça va se compliquer. Est-ce qu'on refait des vitres au-dessus là? Pas. Ou est-ce qu'on fait un toit carré là? Un truc avec des piliers là? Moi j'aurais bien décalé ce pilier là. C'est pénible que l'axe soit tordu. Alors, moi j'aurais bien décalé ce pilier, genre. Comme ça. Paf. Voilà. Là, on mettrait une petite barrière. Quoique là, mon mur, il peut venir jusque-là. Hein. Là, mon mur, il peut venir jusque-là. Faut que je sorte du truc, mais attendez, si je fais comme ça, là, clac, ça je fais X maintenant. C'est comme ça, ok, donc là je fais CTRL D. Pourquoi je peux pas le monter plus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, attendez là. Ça, on va faire X. Pourquoi je peux pas faire X? Allô?
X. Ah mais non! Je ne suis pas d'accord. Quitter. Voilà. Hop. Et là, je le monte à ce niveau-là. Voilà. Et c'est parfait en fait en termes de hauteur. Donc là, on est bon à ça. En fait, on va le décaler un tout petit poil par là. Ok, comme ça, on va prendre le poteau ici qu'on va mettre. Clac. Comme ça. Voilà. C'est pas terrible ce truc quand même qui dépasse là. Hein. On va remettre un poteau là, je pense. Ça, on va faire CTRL D. On va le mettre ici. À la même hauteur. Alors, attendez. Hop. On va le mettre par là, celui-là. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Du coup, on va faire la même chose ici. On va le dupliquer là. Ok, ça. Hop. On le prend, on le met. Paf, comme ça. Et là. CTRL D. Choc à la même hauteur. Ouais, c'est pas mal. Ici. Bon, c'est un épisode de construction, hein. C'est peut-être un peu barbant, mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est un très gros aspect du jeu, quand même. Ok, donc là on a fait la moitié de notre bâtiment. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire une espèce de... un truc plus haut là. Alors... là, je vais faire ça, ça. On va les mettre ensemble. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Ça et ça. On les ajoute ensemble. Voilà. Comme ça, on peut éditer en même temps. Alors. Par contre, là, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que je trouve un truc qui fasse pile poil cette largeur là. Et oui. Pensez à ça, tiens moi. Les trucs tout faits. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va enlever calcaire. Zut. Parce que là, l'idée, ça aurait été de faire quelque chose. Là, CTRL X. Hop. Comme ça. En plus, la hauteur, elle est pile poil bonne, là, j'ai l'impression. Vous voyez, quitte à relever un peu celui du dessous là. Voilà. Là, on aurait été parfait. Là, ce serait bien d'avoir une un truc joli là. Un petit rebord joli. Comme ça. Oula. Alors, des fois, le zoom fait un peu de la merde. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Oh là. Voilà. Alors, clac, clac, clac. Un espèce de petit rebord comme ça, là. Ce serait pas mal, ça, il devient un des plus longs, non? Ouais, voilà. Quelque chose comme ça, non? Ce serait pas mal d'avoir quelque chose comme ça.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est quand même mieux. Clac. Ça fait plus joli. Ça fait plus joli. Bas-relief, coquillage. Ok, qu'est-ce qu'on a comme truc? Ah, ça, c'est pas mal, hein. Ça aurait été pas mal ici. Bordure de pelouse. Ça aurait pu être pas mal aussi. Pas mal de petits trucs. Waouh. Ça serait stylé ici. Ça pourrait être stylé ici. Zut. Comme ça aussi. X. Hop. Ça pourrait être vrai stylé ici. Clac. Façade de boutique. Ah oui, il y a des trucs vraiment classe là. Ok, ah, les petits balcons là. Yes. Il y a plein de trucs vraiment super. Il y a plein de trucs vraiment super. Là, c'est vrai que ça fait un peu vide là, hein. Ça fait un peu vide. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah bah avec les trucs carrés comme ça, je vais arriver à faire mon truc, moi, non? Faire mon mur là. Il n'y en a pas en calcaire carré. Ah non. Zut. Colonne en béton. Bon, avec ça, on va s'en sortir. Avec ça, on va s'en sortir. Ah, ça, c'est stylé pour faire des angles de mur. Comme ça. Pas mal. Et ça rend bien là, hein. Et ça rend très très bien là. On va le mettre ici aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça très classe. On va partir d'en haut plutôt. Ah ouais, ça tout de suite ça habille, hein. Tout de suite ça habille. On va se mettre ici. Hop. On est déjà très bien. Ok. Ça fait un peu proche de la fenêtre là, mais bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. Hop là. Voilà. Ok. Paf. Ah ouais, tout de suite ça fait du détail, hein. Là j'ai envie de mettre des choses là aussi. Là j'ai envie de mettre des choses. Ce genre de choses là, là. Des bas-reliefs. Ça.
Évidemment, c'est pas aligné. Ça aurait été trop. Ah merde, comment je vais y finir là-bas? Ok. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Et comment je vais faire pour y finir là-bas? Zut. J'avais pas pensé à ça. On va le mettre comme ça. Hop. Ça fait pas terrible, hein. Ouais, pas top finalement. C'est pas top finalement. Bon, on va se contenter de ça. Et là, on va mettre des trucs comme ça, là. Où on met ces petits bas-reliefs ici, là. C'est joli ça. Ouais, non. Non. Ouais, on va mettre ça là, je crois. Tac, contrôle X. Voilà, ça habille déjà. Ok. Bon, là, c'est pas mal. Je suis assez content de ce qu'on a ici. Maintenant, il faut trouver une solution pour ici, là. Cette espèce de truc là, comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va se mettre sur l'alignement de ce truc. On va prendre le mur en calcaire. C'est quoi ça? Un clocher? Un piédestal. Alors, les murs en calcaire. Calcaire, pouf, allez. Déjà, l'idée, ça va être de finir là-dessus. La contre. Hop, on viendra y habiller après avec des. Des fenêtres, sûrement. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour boucher ce trou-là? Et si ça, je le mettais dans l'autre sens. Attendez, quitter. Ça, je vais le poser comme ça. Ok, et si maintenant je prends ce truc-là, est-ce que je peux le tourner? Ah non, je peux pas le tourner autrement comme ça. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Ça va faire une grosse façade, hein. Et sinon, si on faisait comme ça. Tac, tac. Ça, on y enlève du coup.
Hop. Là, on met ça. C'est trop long, évidemment. Ok. Ça fait un peu dégueu ou pas? Un petit peu. Un tout petit peu dégueu. Ouais, non, mais là, c'est pas bon. Le mieux serait comme ça. Ça passe ou pas là? Ça fait un petit peu chelou ici, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Ça me plaît. Ça me plaît. Alors là, il y avait des trucs en béton, j'ai vu. En béton, ça. Voilà, ça c'est pas mal. On va enlever l'alignement avec ce truc là. Hop, c'est à peu près de la même couleur. C'est pas aligné pareil. On va essayer de l'aligner. Hop. Non, du tout, c'est pas ce que je voulais faire. Clac. On mettra une colonne de toute façon au bout. Hop. 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 Voilà, on va enlever celui-là qui est en trop. Hop. Ok, on va trouver de quoi habiller tout ça, hein, vous inquiétez pas. Hop. Ça va faire un peu chelou comme bâtiment, mais bon, c'est marrant, ça va être marrant. On va essayer. Alors là, on va prendre ça. Tant pis, hein, je vais pas m'embêter. Hop, contrôle D. Ah, zut. Ah non. Ça va tomber où là-dedans? Oula, c'est quoi ce truc au milieu là? Ok, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudra qu'on fasse des espèces de poutres à l'intérieur là pour que ça fasse raise. Tiens, il manque un socle là. Comment ça se fait? On va mettre ça comme ça déjà. Ouais, on va mettre ça comme ça. Hop, et on va en mettre un autre. Ici. Même hauteur. Hop. Voilà. Ok, bon, on a bien avancé ce bâtiment, je suis content. Et là, on va faire un toit en cuivre, vous allez voir. On va faire un truc, donc là, on va s'aligner avec ça.
On va aller chercher cuivre. Normalement, il y a des jolis toits. Il n'y a pas les toits arrondis. Ah, il me semblait qu'il y avait des toits un peu mieux que ça. Ah, dans des toits. Non, j'avais pas vu des toits. C'est peut-être pas dans le thème classique. Ah, c'est peut-être dans les autres toits. Non. Il me semblait que j'avais vu des toits arrondis. Oula. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a de l'orage dehors chez moi. Donc. Alors attendez, il me semblait que j'avais vu des jolis toits. Moi je veux les Steam Workshop. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est que des petits bâtiments comme ça. Zut. Zut, zut, zut. Ok, bon, on va faire un toit en cuivre comme ça, alors. Pas grave. Pas grave, ça ira, ça fera l'affaire. De toute façon, ça fait que 2 de large, donc c'est bon. Alors voilà, alors, on va se mettre sur celui-là. Là. Clac. Ok. Et après il y a les angles différents. Ouais, mais comme ça c'était bien. Ok, donc là on a les corniches en cuivre qu'on va venir mettre ici. Paf, paf. Il n'y a pas les angles. Ouais, on mettra ça. Attendez, là on va mettre ça. Je suis nié là, j'arrive pas à voir. Ouais. Ok. Ok, voilà, paf, hop, hop, zut, hop, voilà, maintenant le problème, c'est ces petits angles là, il n'y a pas un truc pour les angles de corniche là? Ah bah si, voilà. Il fait prendre ça en fait. Voilà. Clac. Paf. Voilà. Là on a un joli toit. On va prendre ça, et ça, et ça, et ça, et on va le descendre un tout petit poil, voilà. Et là on est parfait, on mettra des petites fenêtres, et on sera nickel. On sera nickel. Là on mettra juste une poutre, histoire de faire réaliste, un petit truc plat. Voilà, pareil ici, là il faudra y faire descendre. Mais sinon, on est bien, on a un beau bâtiment. Je suis content. Je suis content du résultat. Bon, là, il y a peut-être des améliorations à faire, on verra.
On verra, mais en tout cas ça rend bien. Ça fait un joli petit bâtiment. Et on en est à 45 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer hors vidéo histoire de terminer ce bâtiment. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao!